Bonsoir Hitbox, comment allez-vous? Et bienvenue dans ce live où on va jouer au Gwent et où on va pouvoir, enfin vous allez pouvoir gagner des clés. Il y aura 4 clés à gagner, donc c'est plutôt cool. Comment allez-vous? Ouf, vous êtes nombreux. Et salut XP Fire. Salut tout le monde, salut Mookie. Salut Castor, Fluffy Dinosaur, les It Titan, t'as du car, discret ou caliver. Pouf, y'a beaucoup de gens. Donne-moi les clés, ouais. Allez, je suis là-bas. Salut Mischief, salut Philippe. Moi ça va. C'est commencé le déménagement. Donc c'est cool. Enfin, j'ai fait l'état des lieux. Voilà. Faites attention à votre attitude sur le live. N'oubliez pas les règles. Mais qu'est-ce que c'est que le Gwent? Eh bien, le Gwent, c'est un jeu de cartes dans l'univers The Witcher par CD Projekt. Et c'est un jeu de cartes que je connais, ma foi, excellemment bien, puisque j'en ai fait au moins 5 parties. En vrai. Eh, je l'ai en vrai, je l'ai physiquement. D'ailleurs, c'est très con, parce que comme c'est le déménagement, je ne peux pas sortir. Parce que j'ai des éditions physiques. Malheureusement, je ne peux pas les sortir. Ils sont dans les cartons. Ils sont peut-être même pas ici. C'est dommage. J'aurais bien aimé. Non, Samus Cosplay, c'est de la merde. Je ne sais pas combien de parties en vrai j'ai fait. Et je ne sais pas combien de temps le live durera. Avec quoi je capture? Eh bien avec OBS, Black Mesa. Et ouais, vous allez pouvoir voir ma... Mais justement, je vais vous montrer... oui, les vraies cartes sont superbes. Mais je vais vous montrer justement qu'on peut jouer au jeu sans problème. Donc, on va démarrer, avant qu'on démarre, directement par faire gagner une clé. Hop. Donc, je crois... Attention. Je crois, j'ai bien dit, je crois, que les clés sont valables sur GOG et, au choix, sur Xbox One. C'est encore une fois à vérifier. Donc la question hop, est assez facile, je crois, si vous êtes bon. Je précise que les questions seront toutes en rapport avec le jeu et ont été faites par quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus que moi. Voilà. Quelqu'un que j'aime beaucoup et peut-être qui parfois porte un casque. Ah, c'est bien parce que le copier-coller marche bien. Alors, les règles, je vais vous les expliquer. Elles sont on ne peut plus simples. Vous verrez, je vais faire le tuto. Comme ça, ça sera très clair pour vous. Ça sera très clair pour moi. Et voilà. C'est parti. Donc, quelle sera la prochaine faction à être implémentée dans Gwent? Est-ce que ça sera Skellige, les Ainsaid, Nilfgaard ou, mais je veux pas dire, mais c'est certainement ça, Jean-Michel Apathy. C'est à vous de choisir. Je pense clairement ne pas me tromper en disant que ce sera Jean-Michel Apathy. Mais bon, voilà. J'aime bien être généreux avec le public et vous proposer ça directement. Donc n'hésitez pas. Hein. Et j'ai mal prononcé, hein, c'est bien Ainsaid. Ainsaid, la deuxième option. Effectivement,
C'est une bonne remarque. C'est un concours. Je me suis trompé. J'ai pas mis un concours, j'ai fait un sondage. C'est complètement con. Vous avez le temps de. Hop. Excusez-moi. Je suis bête. Je suis bête. Tout va bien. Et de toute façon, je n'ai pas donné la vraie réponse, donc vous avez l'occasion de retenter si jamais vous n'avez pas cliqué. Si vous n'avez pas cliqué sur Jean-Michel Apathy et que vous aviez des doutes, c'est bien Jean-Michel Apathy, hein, cliquez sur Jean-Michel Apathy. Hop, c'est parti. Voilà, c'est mieux comme ça. Pardon. Désolé. Donc, quelle sera la prochaine faction à être implémentée dans Gwent? Lisez bien le message d'Akmenrage. Merde, j'ai oublié, mais en fait, j'ai déjà une clé. Donc, si je gagne par hasard, retire. Eh bien, écoute, tu pourras la refaire gagner à ton tour. Mais au pire, oui, on refera tirer, ça sera plus simple. Donc, je précise quand même. Que, étant donné que ce n'est pas un concours Globtopus, mais vraiment un concours CD Projekt, les modérateurs ont le droit de jouer. Voilà. Je précise. Par contre, ils n'ont le droit de jouer, de gagner qu'une seule fois. Hein. Tous les joueurs, d'ailleurs, n'ont le droit de gagner qu'une seule fois, je précise. Je leur dis parce que je leur ai peut-être pas dit directement et ils ont peut-être peur de jouer. Mais voilà. Et oui, Jax, tu peux gagner, tu peux jouer. J'avais répondu exprès, t'as une chance en moins, c'est pas grave. Mais voilà, je te le dis, Jax, tu peux jouer. Pareil avec Menra, pareil Missif, vous pouvez jouer. Bon, allez, on arrête dans 5, 4, 3, 2, 1, on arrête. Donc je précise. Il faut savoir que. Eh bien, les. Comment ça s'appelle? Attendez, il y a plusieurs réponses, j'essaie de bien lire ce qu'il a dit. Voilà. Donc, il faut savoir que ce ne sont pas Skellige. Ce n'est pas Skellige. Ce n'est pas Jean-Michel Apathy. Et ce ne sont pas les Zaen Saïd. C'est bien Nilfgaard. Car, oui, Nilfgaard était déjà présent dans The Witcher 3 Wild Hunt, mais n'est pas. Intégrer pour l'instant la bêta, ce qui arrivera dans les mois à venir, très certainement. Donc, voilà, c'était bien Nilfgaard. Et c'est Suspense qui a gagné, c'est Discreto qui a gagné. Mon cher Discreto, je t'envoie de suite ta clé. Hop. Bravo à toi, Discreto. Est-ce que tu peux me confirmer que tu es bien un être vivant? Sur le chat. Et oui, Svartman, bientôt 22 000. On sait pas, on verra si on atteint les 25 000. Hein. Voilà. Oui, j'ai mal. Oh fuck, criminel démon, merci beaucoup, tu m'as fait beaucoup peur. Mais ça va. Discreto est un vivant, il vient de répondre. Bon, bravo à lui. Hop, je lui envoie la clé immédiatement. Poup. Bien, ouais-je. Sera marqué dans le mail. Et voilà. Donc c'est parti. On enchaîne les questions là. Est-ce qu'on en refait gagner un autre? Est-ce qu'on attend un petit peu plus tard? Allez, on en fait gagner deux au début et deux à la fin. Ça vous va? Comme ça, vous avez le temps de voir. Donc, c'est parti. Une deuxième question que je n'aurais jamais pu écrire. On va faire comme si c'était moi qui l'avais écrit, hein, parce qu'on est sympa. Mais il faut être honnête, jamais j'aurais pu écrire ce genre de questions. Alors, hop. Donc toujours, hein, une clé bêta pour Gwent à gagner. Est-ce qu'on a le droit à Google? Oui, vous avez le droit à Google, les gens. Je vais pas aller checker si vous utilisez Google ou pas. Hein. C'est ça le but. Hein. Prenez votre temps. Hein. Après, de toute façon, il y a un gros facteur hasard. Hein. Voilà, j'ai rajouté une petite réponse pour vous guider. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc, hop,
À votre avis, combien de cartes différentes sont actuellement comprises dans la bêta, tout deck confondu? Donc il y a une clé bêta pour Gwent à gagner, environ 160, environ 210, environ 320, environ 480, ou environ Jean-Michel Apathy? Je pense que c'est environ Jean-Michel Apathy, je ne suis pas sûr, encore une fois. Et oui, Castor, vous devez rester dans le live pour gagner deux dernières clés. Je veux pas dire, mais la personne qui a fait ce fichier est particulièrement jouée. Entre 1 et 1000, c'est une bonne remarque. Donc oui, au fait, criminel démon qui a subtribe, merci, et tu as le droit à choisir entre un pénis d'un mètre cinquante, une chatte d'un mètre cinquante, un anus d'un mètre cinquante, un nombril d'un mètre cinquante, des seins d'un mètre cinquante, des sourcils d'un mètre cinquante, plein de choses d'un mètre cinquante. Donc choisis donc. Bon, il y a une majorité de gens qui ont bien choisi, tout va bien. Allez, on arrête dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est arrêté. Et donc c'était bien 210, donc pour info il y en a 208 actuellement, mais d'autres seront ajoutés avec le temps, notamment celle de Nilfgaard. Il est important d'équilibrer le jeu et de faire ça progressivement, nous dit CD Red Project, les CD Project Red. Donc c'était bien 210, et c'est Dracula qui a gagné, bravo Dracula. Tu remportes donc ta clé bêta, et tu peux choisir, hop. Oups, je me suis trompé. Voilà, c'est bon. Et tu peux choisir si tu en fais cadeau à quelqu'un ou si tu la gardes pour toi. Et c'est la joie. Hop. Bravo, Dracula. Hop. Bon, allez. Maintenant, il y en a marre. On arrête de faire gagner des gens pour le moment. Ne vous inquiétez pas, ça revient. Alors, le concours est toujours en cours. Et Jean vient de s'abonner. Mais ça ne fait pas ding-ding. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est chelou. Mais bon, ça arrive. Hop. Je peux avoir un Jean-Michel Apathy de 1m50 si tu subscribes? Oui. Tout est possible quand on subscribe. Sachez-le. Bon. Du coup, on va lancer la partie. Je vais peut-être aller chercher Castor. Hop. S'il est disponible. Parce que Beat, je sais pas pourquoi, Jane, pourquoi tu n'es pas affiché. Hop. Tu fais gagner des clés bêta de chez toi aussi. Ah, les clés, d'accord. J'ai du mal à comprendre, mais tout va bien, ça y est, j'ai compris. Bonsoir, Castor. Bonsoir, Maxime. Tu étais en train de manger? Non, pas du tout. Tu devrais avoir honte. Ah, bon. Je suis désolé, mais... T'es tellement content d'avoir gagné ces deux clés que... Hop, je viens de lire un message Skype un peu trop tard. Du coup, on va lancer... Bloop. Ouf, Spartan 020693, tu viens de subscriber. Eh bien, merci à toi. Tu as le choix de plein de trucs. Donc, choisis. Hein. 1m50, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choix. Hop, Gog se lance. Il y a Devil Knight 62 qui demande si le jeu va sortir sur Steam. Je ne sais pas. Je pense que c'est possible que non. Parce qu'ils ont, malgré tout, GOG Galaxy. Donc, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Vela Bloob, tu te trompes. Hop, donc on va lancer Gwent. Hop, c'est partouze. N'écoute pas ce méchant Vela Bloob, il sait pas ce que c'est. Moi, je t'aime, Maxime. Ouais, on trouve très beau.
dit-il la bouche pleine. Et c'était pas de la nourriture. Oh. Oh. Alors, est-ce que ça marche? Attendez. Et moi aussi, j'aime bien ma voix Navi. Il sera à quel prix le jeu? Je crois que ça va être comme... encore une fois, à vérifier. Mais je pense que ça sera un free-to-play. Et voilà. Donc, bienvenue dans Gwent. Hein. Donc, c'est une en pré-finale. Comme vous pouvez le voir, c'est une bêta fermée. Donc voilà, il y a des bugs. Ça arrive. Et on va lancer le jeu. Hop. Donc il se trouve que... en plus de la bêta, hein, vous débloquez le jeu The Witcher. Gratos. The Witcher 1 et une carte spéciale, je crois. Donc déjà, on va... Oui. Samus Cosplay confirme que c'est bien un free-to-play. Voilà. Donc Samus Cosplay qui, je le rappelle, est la personne grâce à qui ce live est possible. Est-ce qu'on peut mettre en français? On peut mettre en français, donc on va mettre en français. Et on va baisser le son, parce que quand même, c'est fort. Après, les musiques sont belles, hein. Ça, y a pas de doute. Temeria, that's what matters. Voilà. Mais c'est un peu comme... sur Hearthstone, on trouve ça cool au début. Je pense qu'au bout d'un moment, on finit par les couper. Ouais, et on met une playlist à la place. Voilà. Mais, au moins, les musiques ont été travaillées, c'est déjà bien. Voilà. Hop, tout a été changé, tout va bien. Donc, dans les options, je crois qu'on peut accéder... Non, c'est pas dans les options. C'est ouf. Et pour moi qui n'entends pas la musique du jeu, est-ce que c'est les mêmes musiques que Witcher 3 ou pas c'est... du tout ? J'ai l'impression que c'est dans le même univers, ça c'est clair. Mais j'ai l'impression que ce sont d'autres... Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Alors, du coup, on va apprendre les bases et voir au fur et à mesure. Avant qu'on apprenne les bases, est-ce qu'on peut pas ouvrir... Non, on va apprendre les bases. Didacticiel. C'est parti. Donc là, vous voyez des cartes pendant les chargements. Bon, classique, mais c'est toujours cool. Hop, donc voilà le jeu de Gwent. Donc bienvenue dans Gwent, ce didacticiel est conçu, donc comme ça, ça explique à tout le monde les règles, comme ça on n'a pas besoin de le réexpliquer, et ça rafraîchit la mémoire pour ceux qui ont joué il y a quelques temps. Donc ce didacticiel est conçu pour vous aider, blablabla, vous obtiendrez des cartes gratuites quand vous l'aurez terminé. Donc Gwent oppose deux armées, s'affrontant jusqu'à la mort sur le champ de bataille. Le but du jeu est de gagner deux manches contre votre adversaire. Pour l'instant tout va bien. Les couronnes, donc les couronnes qu'il y a ici et ici... indique votre progression vers la victoire. La couronne du haut est celle de votre adversaire, celle du bas c'est la vôtre. La couronne se remplit à moitié à chaque fois que vous gagnez une manche. Remplissez les deux moitiés pour gagner une partie, hein, de manches gagnantes. C'est comme ça que ça s'appelle généralement. Ensuite, voici la force totale de votre armée. Donc, le chiffre que vous voyez là, c'est 13 pour moi et 14 pour l'ennemi. Le joueur possédant la force totale la plus élevée à la fin d'une manche gagne et remplit la moitié de sa couronne. Pour l'instant, tout va bien. Comme vous pouvez le voir, des cartes ont déjà été placées sur le champ de bataille, ce sont des unités. Donc les unités, c'est ceci, ceci, ceci et ceci. En les plaçant sur le champ de bataille, vous augmentez votre force totale, qui est donc ici, le chiffre du bas ou celui du haut pour l'ennemi. Chaque joueur ne peut jouer qu'une seule carte par tour. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura qu'une seule carte placée, car il y a des cartes spéciales qui vont amener d'autres cartes sur le terrain, etc. Mais ça, on verra après. Donc, une seule carte par tour ne peut être jouée. Lorsque le premier a joué sa carte, l'autre en fait autant, etc., etc. Votre adversaire va jouer en premier dans cette partie. Donc, il joue sa carte, qui est un vil gredin. Et chaque carte ne peut être jouée que sur une certaine ligne. La carte Fielon, donc celle-ci, par exemple, ne peut être placée que sur la ligne de combat rapprochée. Les cartes guerrier Vran, donc celle-ci, le méchant serpent, ne peut être placée que sur la ligne de combat à distance. Et la carte Griffon, celle-ci, ne peut être placée que sur la ligne de combat de siège. Les icônes à côté à gauche de la carte, comme vous voyez ici, vous indiquent sur quelle ligne il est possible de la jouer. Donc, on va répéter. Regardez, là c'est une petite épée, donc ça veut dire c'est corps à corps, donc c'est la première ligne. Si c'est une arbalète, j'ai mixé entre arbalestre et arbalète, c'est la deuxième ligne. Et enfin, si c'est une arme de siège, hein, donc une catapulte, eh bien c'est la troisième ligne. Donc les icônes du côté gauche de la carte vous indiquent
jouer la carte Geralt maintenant, ou Geralt. Je sais pas, est-ce qu'on dit Geralt ou Geralt? Moi je dirais Geralt, je pense que j'ai toujours dit Geralt. Moi aussi j'ai toujours dit Geralt, mais je ne sais pas. Donc voilà, donc il suffit de prendre la carte, soit de double-cliquer, soit de double-cliquer sur Hunter, hein, soit eh bien de glisser. Donc il y a beaucoup de cartes de contrôle qui se font au clavier si on... Voilà. Alors par contre j'ai mis en français et du coup les voix sont en française, je le regrette amèrement. Donc j'ai joué la carte Geralt et sa force a été ajoutée à mon total. Donc vous voyez ici, on est passé à 20 plus 5, donc 25 c'est top. Cela signifie que votre force totale dépasse à présent celle de votre adversaire. Donc là il joue. C'est à moi. Donc vous voyez que là il est repassé en haut. Donc je vais jouer... est-ce que je joue la plus puissante? Ou est-ce que je joue celle de la ligne d'avant? On va jouer la plus puissante parce qu'on est des ouf. Voilà. Et donc il est repassé à 35. Nous avons repassé à 37. À 40, pardon. J'ai de la merde. Il n'a plus de cartes. Et donc, j'ai remporté la manche. Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai remporté la manche? Et bien simplement parce que mon poids, ma force totale a été supérieure à celle de l'adversaire. Et il n'avait plus de cartes, donc il était obligé de passer. Ça était donc mon tour, et donc j'avais plus de cartes non plus, donc j'étais obligé de passer. Mais ma force était supérieure à la sienne, et c'est pour ça que j'ai gagné cette manche. Et comme j'avais déjà validé la première manche de base, j'ai gagné la partie. Voilà, plutôt simple. On va monter un petit peu dans la complexité avec cette deuxième partie. Donc, au début du jeu, vous avez le mulligan. Donc, dans cette partie, vous en apprendrez plus sur la mécanique de cartes. Donc, phase de choix des cartes. Oui, en français, c'est choix des cartes. Du coup, vous pouvez échanger jusqu'à 3 cartes que vous ne voulez pas. Voilà, pour de nouvelles cartes à tirer. Donc, là, par exemple, on va virer l'heure, on va virer sonnerie à la charge, et on va virer temps dégagé. Une bonne stratégie consiste à commencer une manche en jouant une carte à la force élevée. Ainsi, votre adversaire devra jouer les cartes à la force élevée pour obtenir une force totale équivalente. Donc on va jouer Geralt immédiatement. C'est parti. Merde. Je l'entends dire merde, hein, moi. Merde. C'est un peu bizarre. Votre adversaire s'apprête à jouer une carte qui rassemble plus de cartes sur le champ de bataille. Cela veut dire que toutes les cartes identiques dans le jeu de votre adversaire apparaîtront instantanément sur le champ de bataille. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez jouer une carte qui amènera d'autres cartes. Regardez, je joue une araignée et qui amène d'autres araignées. Certaines unités peuvent infliger des dégâts à d'autres et réduire ainsi leur force. Donc vous allez voir, je vais jouer Vernon Rush. Boop. Et il va pouvoir choisir une carte qui va faire sauter. Donc on va faire sauter celle-là parce que vite. Et voilà. Et si vous réduisez la force d'une unité à 0, celle-ci sera détruite et envoyée à la défausse, et du coup sa force sera retirée du champ de bataille, c'est plutôt cool. Là il a amené plein de neckers qui sont absolument dégueulasses. Donc on va jouer dans l'ordre qu'on veut, mais faut pas oublier qu'il y a deux manches, donc faut pas faire n'importe quoi. Merci beaucoup Criminel Démon, qui dit... Toujours aussi plaisant, j'espère que cela va continuer pour un très long moment Blood Trail. Eh bien merci beaucoup. Et j'espère que les lives vont continuer aussi. Alors du coup on va mettre une baliste pour le fun. De toute façon on est en train de dominer et on va lui je sais pas combien de dégâts ça fait. Ouais, ça doit pas faire plus de 3. Donc votre adversaire s'apprête à jouer une carte spéciale incinération. Cette carte détruit les unités les plus fortes sur le champ de bataille. Donc ça va certainement être celle-ci. Pourquoi c'est celle-ci seulement qu'il a été touché et pas Geralt? Eh bien tout simplement parce que Geralt ou Vernon Roche sont des cartes or, vous voyez qu'elles sont entourées d'or, donc elles sont insensibles à la plupart des capacités des cartes, elles sont reconnaissables à leur bord doré. C'est le moment idéal pour passer, votre adversaire devra jouer beaucoup de cartes pour reprendre l'avantage, et s'il y parvient, vous disposerez de plus de cartes pour remporter les manches restantes. Donc là ils vous apprennent que c'est pas grave de perdre une manche si ça vous permet d'en gagner d'autres. N'oubliez pas que perdre une manche ne veut pas dire que vous perdez la bataille, il suffit de remporter 2 manches sur 3. Donc maintenant il suffit de mettre la pièce comme ça, de maintenir et on passe. Donc maintenant c'est l'adversaire qui va devoir mettre ses plein de cartes pour arriver jusqu'à... Enfin dépasser 19. Donc là ça y est, il a dépassé 19. Mais il a perdu beaucoup de cartes alors que moi j'en ai encore plein. J'ai perdu la manche, ce n'est pas grave, nous allons gagner la suite. Donc une nouvelle manche commence, votre adversaire a pensé à la précédente, c'est donc à lui de commencer. On tire chacun 2 cartes au début. Comme vous pouvez le voir, vous avez une avance confortable, donc pas de soucis, on va jouer tranquillou.
Voilà, j'ai tiré une baliste et une mage. Donc là, il joue un fielon qui est plutôt badass. Donc on va jouer... on va essayer de le niquer, son fielon, un peu. Hop, boum. Donc quand j'abaisse ses points de vie, hein, j'abaisse aussi ses... Ouf. Il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. C'est pas grave. On va lui faire du mal, nous aussi. Intéressant. Tac. Hop. Et on va tuer son fielon à la con. Voilà. Donc on est toujours... on est toujours en train de gagner. Donc vous avez maintenant une force totale supérieure à celle de votre adversaire qui vient de passer. Ce ne servira à rien de jouer d'autres cartes. N'oubliez pas qu'il doit vous rester des cartes à jouer dans la dernière manche. Passez maintenant pour gagner à la manche. Et voilà. Donc là on passe. Sachant qu'il est passé avant, je remporte la manche. Nous sommes donc à égalité et c'est la dernière manche. Nous en sommes à la troisième manche. Votre adversaire et vous ne devez donc tirer une carte de votre jeu. Et non pas deux. Hop. Donc on tire une carte. C'est cool. Bon, ben on va jouer celle-ci, hein. Ce que vous avez là. Hop. Au Radovid. Bon, il va avoir du mal à gagner, là. C'est... Hop. Donc voilà, j'ai gagné. Dans tous les cas, je remporte. Donc soit on joue les cartes, on s'en branle. Soit on passe, parce que de toute façon, on a gagné. On a gagné. Et... c'est la joie. Encore une fois, hein, c'est le didacticiel, ne vous inquiétez pas, les réparties seront plus complexes que ça. Est-ce que vous commencez à comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas? Donc là, on se bat contre Eredin. Serrez les rangs. Est-ce que la VO de The Witcher 3 est polonaise? Je ne sais pas. Je pense que... Enfin, c'est comme dans certains jeux, la VO n'est pas la version originale du jeu, mais la version... comment ça s'appelle? Hop. Mais la version anglaise. Ce n'est pas toujours le cas, mais... Hop. Donc voilà, là, j'ai changé mes cartes. Oui, tu disais. Il y a plusieurs personnes qui demandent le jeu sort quand. Je ne sais pas quand le jeu sort. Donc dans cette partie, vous apprendrez à utiliser les chefs, mais commencez par jouer une unité. Donc on va jouer un bête soldat. Bête chevalier. Boum. Votre adversaire a utilisé son chef. Les chefs ne peuvent être utilisés qu'une seule fois par partie. Lorsque vous utilisez votre chef, votre tour prend fin comme si vous aviez joué une carte. Pour utiliser la capacité de chef, faites glisser votre carte chef, donc c'est celle-ci. Donc on va la faire glisser sur celui-ci. Votre adversaire s'apprête à jouer une carte de météo. Donc ça c'est très important, les cartes de météo. Elles réduisent au minimum la force de toutes les unités sur une ligne. Elles affectent les deux camps, ce qui veut dire que votre adversaire et vous en subirez les conséquences. Donc là par exemple, il va faire en sorte que la ligne de base soit défoncée par les cartes météo. Mais je rappelle que les cartes météo n'affectent pas les unités or. Donc lui par exemple, comme c'est une unité or, bah, il s'en a rien à foutre. Par contre moi ça va bien niquer ma face. Mais pas de soucis. Donc Sebuscope dit il n'y a pas de date de sortie, il sortira quand il sera prêt, pour l'instant c'est la bêta fermée, et l'équipe travaille à régler les bugs et à équilibrer le jeu. Donc ça c'est très bonne nouvelle, ça veut dire que le jeu sera équilibré quand il sortira, et ça c'est top. Surtout sur un jeu de cartes. Donc là on va pouvoir jouer temps dégagé. Hop. Et ça va permettre de remettre mes unités à leur maximum, donc c'est très bien. Donc là... là il l'emporte. Donc la carte sonnerie de la charge vient juste d'être ajoutée à votre main. Vous pouvez la placer sur n'importe quelle ligne pour doubler la force de toutes les unités or qui sont placées. Jouez la carte sonnerie de la charge maintenant. Donc là on va le faire. Voilà, ils sont passés à 16-16. Là il passe parce qu'il sait qu'il est bête. Donc c'est bon. On a remporté la manche. Il reste une autre manche à gagner. Hop. Vous connaissez maintenant les bases, continuez à jouer pour en apprendre plus sur le jeu, les tactiques à mettre en œuvre avec ça. Donc on va essayer de gagner là, hein, tranquillement. Donc choisissez une unité hors-garde de votre côté du champ de bataille et remplacez-la dans votre main. Bon, on s'en fout. On va placer garde parce qu'on est des oufs. Je hais les portails. Que va-t-il jouer? Donc pour l'instant il joue très classique. On va jouer Vernon. Et on va taper sa bête. Ouh, il y a une grosse bête. Mes études sont plus importantes que ça. Boum, on tape sa grosse bête aussi.
Tac. Le but ici, ça va être de tuer toutes ces créatures. Donc pour l'instant, ça va. Hein. Y a pas... On est dans un tuto, donc tout va bien. Il est un petit peu bête, le monsieur. Oui. Pafouin demande quelles sont les configurations minimales et optimales nécessaires pour la bêta. Franchement, je pense qu'il faut pas grand chose pour que ça marche. Hein. Oui, c'est un jeu de cartes en général. Voilà, il n'y a pas d'effet extraordinaire. Enfin voilà, je pense que sur un PC portable, ça tourne sans problème. Joli ce que vous avez là. Donc la carte que j'ai jouée là, par exemple, est assez particulière parce qu'elle améliore 2 à toutes les cartes identiques, mais si l'adversaire a la même carte, ça peut vite être la merde. Moi j'ai du mal à me dire qui va gagner, mais... Oh, je pense pas qu'il puisse gagner, t'as 7 points d'avance, un avantage de 1 carte. Ouais, tu m'étonnes. Mais bon. Sait-on jamais. Ah, il a passé. Et donc, nous avons gagné, tout va bien. Nous avons remporté la manche. Donc voilà, nous avons remporté les 2 manches, nous sommes badass. Félicitations, vous avez terminé le didacticiel, blablabla. Voulez-vous jouer au didacticiel du créateur de jeu, donc c'est le créateur de deck. Encore une fois, les traductions ne sont pas optimales, mais c'est normal, c'est une bêta. Donc, menu principal, vous pouvez aller différenciation, créateur de jeu. Donc on va faire un deck. Bienvenue dans le créateur de jeu, blablabla, on va faire nouveau jeu. Les cartes de Gwen sont divisées en factions. Chaque faction dispose de cartes uniques. Donc qu'est-ce qui vous intéresserait? Donc vous voyez que Nilfgaard est prévu. Elle est marquée là. Donc il y a déjà Skellige, il y a déjà les elfes. On va faire les royaumes du Nord parce que vite. On met le chef qu'on veut utiliser. Pour l'instant, on en a qu'un, donc c'est pas vraiment le choix. Et la collection de cartes s'affiche en bas. Vous pouvez utiliser les filtres des cartes pour n'afficher que certains types de cartes. Et là, c'est le jeu. Vous pouvez ajouter les cartes de votre collection et remettre celles que vous ne voulez pas dans la collection. Donc on la met, hop. Pour gagner du temps, nous allons finir de compléter votre jeu à votre place pour cette fois. Toutefois, d'ordinaire, ce sera à vous de sélectionner les cartes que vous souhaitez avoir dans le jeu. Voilà. Boum. Direct. À présent, retirons une carte de votre jeu. Pour cela, faites glisser la carte. Voilà. Ceci est le compteur de cartes à gauche. Il vous aide à créer un jeu valide et montre les imitations. Maintenant que vous avez créé un jeu de cartes valide, appuyez sur échappe pour quitter cet écran, valider jeu. Didacticiel terminé. Bon, voilà. On va faire le didacticiel de l'échoppe maintenant. Boum, c'est parti. Donc là, c'est pour acheter des barils de cartes. Donc je ne sais pas combien il y a de cartes par baril, on va découvrir ça. Vous pouvez voir que comme d'habitude, on peut dépenser... Il vient de péter, c'est super. On peut en acheter beaucoup pour une grosse somme d'argent. Ou bien les crafter. Voilà. Et donc c'est 5 cartes, hein, c'est marqué. Et il y a au moins une rare, épique ou légendaire. Donc voilà. On peut acheter les barils. Et les ouvrir. C'est le même modèle que Hearthstone. Tout à fait. Donc on peut ouvrir des barils. J'en ai déjà 3. Donc on va faire ouvrir un baril, oui. C'est parti. Comment ça fait? Boum, ça explose. Bon, toujours plaisant. 4 cartes dans votre baril. Donc on va les dévoiler. Voilà. Peut-être que vous vous direz, waouh, c'est trop bien. Peut-être que non, j'en sais rien. Vu que je n'y connais rien pour l'instant, c'est juste des cartes comme ça. Vous devez ensuite choisir une carte parmi 3. Donc ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, on vous en donne 4, mais il y en a la 5e, vous la choisissez. Donc qu'est-ce que je vais choisir? Entre garde de Mahakam, incinération et renfort, oui. Par contre, comment est-ce que tu vois la rareté de la carte? Je ne sais pas. Je suppose que c'est le bord, sans doute, mais... Je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais regarde, t'en as des bords argentés, mais le premier, par exemple, je sais pas si c'est... Est-ce que c'est un bord doré? Est-ce que c'est un bord... Je ne sais pas, est-ce que c'est la gemme? Ou alors... Ouais, c'est peut-être la gemme aussi, ouais. Je ne sais vraiment pas, ça c'est une très bonne question. Est-ce que pour toi il y a une carte qu'il faudrait... Est-ce qu'il y a une carte trop bien? Au contour je crois, d'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y en a une qui est mieux que les autres?
Je sais pas, mais si toi tu considères, si toi tu veux faire un deck Royaume du Nord, autant prendre la carte Royaume du Nord. Du ah, coup. Le Halo quand tu passes dessus, d'accord, mais elles sont toutes pareilles. Bah oui, je vais prendre la carte de droite, hein, qui est donc le Royaume du Nord, c'est bien ça. Ouais, ou alors peut-être la centrale, à mon avis la centrale c'est une neutre, non? Je pense. Je sais pas, je ne peux pas te dire. C'est bronze, argent et or, je crois. D'accord, donc celles-là elles sont argent, et celles-là elles sont bronze, c'est ça? C'est assez délicat, hein, parce que la première, est-ce que c'est argent, est-ce que c'est bronze, ça a l'air d'être bronze, ça a l'air d'être argent. D'être bronze, ouais. Et ça avoue que si tu ne connais pas, c'est pas obvious. Mais du coup, bord doré égale bronze, carte... Alors, il y a trois types de cartes, bronze, argent et doré. Les dorés sont en général plus rares et les bronzes communes. D'accord, donc on va choisir entre ces deux-là. Détruisez les unités les plus fortes sur le champ de bataille, bon, c'est pas mal. Choisissez une unité bronze de votre côté du champ de bataille et jouez toutes les cartes identiques depuis votre jeu. Ça c'est quand même vraiment cool, on va prendre renfort. Ouais, par contre, je crois que tu es limité à 3 cartes, 3 exemplaires de cartes par deck. Hein. Donc ça t'en invoquera ouais. 3 maximum. Ouais. Enfin, 2 du coup. Oui, 2 ouais. maximum, on a bien. J'en ai bien conscience. Donc c'est bien. Par contre, hop, oui. la carte du milieu, est-ce que c'est des cartes neutres ou c'est des cartes de faction? Je ne sais pas. Donc félicitations, okay. Vous avez fini, blablabla. Continuez. Donc on va retourner, on va rouvrir des barrettes parce que j'en ai encore. Hop, c'est parti, j'en ai encore 2 autres, donc autant le faire. Ah, et je crois que la petite gemme, c'est la gemme de couleur, c'est la gemme de faction. D'accord. Parce que non, elles ont changé de couleur. Là, elles sont argent, et là, il y en a une bleue. Et regarde, ça change la couleur de quand je suis dessus. Attends, parce qu'il y a un peu de décalage. Là, c'est blanc, et là, c'est bleu. Et elles sont toutes bronzes. Ah oui, t'as raison, oui. Je pense que c'est, je sais pas, c'est une question peut-être, capacité. Peut-être la ligne aussi. Les bleus, c'est les mêlées, les... Non. Je sais pas. Non. Je ne sais pas. C'est pas très grave. Je sais pas. Donc là, je peux choisir. Donc vous voyez qu'il n'y a que des bronzes et que des bleus. Donc on va choisir. Hein. Bah, je vais certainement prendre celui-là tout simplement parce que c'est mon type de carte. Ça, c'est un monstre et ça doit être un... Ouais, non, peut-être pas un elfe, je sais pas. Non, pas un elfe, un autre, je sais pas quoi. Donc, au bout de 2 tours, convertissez une idée en carte or. Ça, cool, comme... ça, c'est cool quand même. Je crois que la deuxième, c'est du Scoia'tael. D'accord. Deuxième, c'est Scoia'tael. Et troisième, c'est monstre. Hop, très bien. De toute façon, merde, il y avait une touche ouvrir le prochain baril. C'est moi qui me suis trompé. Hein, donc, hop, et on ouvre le dernier baril qu'on a. C'est parti. Tout casse cassé. Hop. Youpi. Hop. Et c'est encore parti. Plus. Alors là, celle-là, elle est en argent, donc on va vraisemblablement privilégier celle en argent, qui est donc sonnerie de la charge. Choisissez une ligne de votre côté de... et doublez les forces de cette unité. Donc oui, clairement, c'est mieux. Ah, quoique celle-ci, elle est pas mal aussi. Hein. Jouez une unité hors carte or aléatoire dans votre défausse. Ah, je sais pas, moi je serais toi, je prendrais l'argent ouais, quand même. La rareté. Ouais, on est d'accord. À la fin, c'est ce qui sert le plus. Ouais. Bah surtout disons que les bronzes doivent tomber plus fréquemment donc ouais. Hop donc c'est parti donc là les cartes c'est bon donc il y a partie libre, amicale, partie entre amis et entraînement et didacticiel donc on va faire partie libre. Non, t'as quoi partie libre donc partie libre partie attendez, genre partie libre, jouer à une partie amicale de Gwen, donc ouais, c'est, voilà. Ouais. Partie entre amis, jouer contre un ami et entraînement. Donc et là, il y a plein de jeux. Jeu de démarrage. Donc choisissez une unité bronze de votre côté de champ de bataille, créez une copie et jouez là en conservant toutes les modifications apportées à la GM. Hein. D'accord, donc ça c'est le jeu que je veux jouer, enfin c'est tout. C'est-à-dire les jeux que j'ai fait ou les jeux en plus. Entre toutes les factions qui existent et celles que j'ai créées. Donc voilà, donc c'est moi qui choisis le carte que je veux prendre celle-ci parce que bite. Et donc il cherche un adversaire valable. Encore une fois, c'est une bêta, donc adversaire trouvé, bon, tant mieux. On va se retrouver. Voilà. Donc on se bat contre The Kuba TM. Oh non, pas The Kuba TM, c'est le champion du monde de Gwen. Merde. Donc on va tèche des cartes.
Félicite d'une unité de votre côté de Shamata, ajoutez 3 à leur force. Donc ça, c'est pas mal quand même. Ouais, moi, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai. Ouais, je vais laisser, c'est bien. De toute façon, on est là pour perdre et apprendre, hein, les gens. Donc c'est à moi, c'est moi qui dois commencer. Donc on va jouer un soldat. Que va-t-il jouer ? Encore une fois, aussi bien c'est le meilleur du monde, aussi bien c'est le plus nul du monde. Donc tout va bien, ne vous inquiétez pas. Non, non, c'est le deuxième plus nul du monde. Alors, quand cette carte est retirée du champ de bataille, créez et jouez une unité de chat. Donc faut faire gaffe, cette carte-là va être tuée. Faut faire gaffe. Donc on va faire promotion. On va faire ça. Non. Créer et jouer une copie de cette unité. Non. Choisissez. Mais on est à 5. Et voilà. Boum. Donc là, on est passé à 19. C'est pas mal. Attention, hein, je le rappelle, il faut pas trop jouer de cartes. Parce que sinon, on est niqué direct. 19, c'est bien, mais il peut très vite monter. Hein. Voilà. Donc là, on va essayer de faire jouer une unité. On va peut-être pas monter trop les cartes parce que ça serait bien d'en avoir. Ce qui serait bien, c'est... Et c'est... Ouais. Et c'est quoi le pouvoir de ton héros ? Enfin, de ton... C'est une bonne question. Choisissez une unité bronze de votre champ, créez-en une copie et jouez-la en conservant toutes les modifications. Donc ça permet encore de EP des trucs. Je vais peut-être le faire, justement. Et comme ça passe. C'est quoi, par contre ? C'est une fois par manche que tu... Ouais, ouais, c'est une seule fois par partie. Par partie. Ah, par partie, d'accord. Je pense que je vais faire ça. Non, je vais peut-être passer. Ouais, garde-le peut-être pour... Ouais, je vais passer. Allez, on tente, je passe. De toute façon, pour augmenter, il va devoir monter, jouer pas mal de cartes, je pense. On va voir. De toute façon, c'est pas très grave, les gens, si je perds. Je ne joue pas pour être le meilleur joueur de Gwent, c'est certainement... C'est ma première vraie partie de Gwent sur ce jeu. On ne s'attend pas à ce que je gagne. Et si je gagne, c'est la joie. Si je perds, on s'en fout. Donc, un truc qui est intéressant, c'est... Ah! Boum, il m'attaque direct. Ah, il a joué qu'une seule carte, hein, donc j'aurais pu jouer une carte en plus, c'est vrai. C'est pas grave. Et voilà, il a gagné. Donc c'est parti. Il peut rejouer? Non, ça... Oui, il peut rejouer, c'est vrai. C'est pas avant la partie. Le but avec Folster, c'est de booster tes misérables soldats, puis de dupliquer, puis après faire des promotions sur tes soldats. D'accord. On apprendra ça par la suite, c'est très bien. J'ai gagné 2 cartes. Hop. De toute façon, on apprend à jouer en jouant. Donc... Attends, pourquoi il peut jouer directement et après rejouer? Ah, mais oui! En fait, dès que sa vache a été tège, elle est bonne pour le tour d'après. J'avais pas compris ça, moi. C'était bête. C'est pas grave. Alerte! Aux armes! Hop. Alerte! Aux armes. Je vais m'occuper de ton corps! D'accord, donc il faut les détruire ceux-là. Sinon, ils sont plus forts. Maxime Elbeck dit ce que Castor n'a pas dit à Maxime, c'est que si celui-ci perd, il meurt dans la vraie vie. Et ah mince! Eh oui. Flûte. C'est un combat à mort avec des cartes. Hein. C'est Yu-Gi-Oh en fait. Eh oui. Donc on va aller passer en or après peut-être. Attendez. Ouais non, il faut en choisir 2 déjà. On va placer un autre. Vous auriez pas des vivres, j'ai une fin de loup. Hop. On va y aller lentement. Maudron. Après, je pense que j'aurais clairement pas assez de cartes pour... Mais elle ne tolère pas les affronts. What? Ah d'accord, c'est lui qui choisit, c'est pas moi. J'ai rien compris. C'est pas grave, encore une fois, les premières parties, c'est jamais la joie. Oublie pas ton pouvoir héroïque. Hein. Enfin, ton pouvoir de faction. On va essayer, tiens. Serrez les rangs. Ça suffira pas à gagner.
pour Skellige. Ah, il joue tout, lui, hein, par contre. Hein. Il a donf. Oh, oh, les ennuis arrivent. Hop. Faut que je garde un minimum de cartes, encore une fois. Et lui aussi, hein, il le sait très bien. Donc ça, ce n'est pas grave. Quoi ? Tu veux que j'en fasse un tisonnier ? Il a des bonnes cartes, hein. C'est cool. Ouais, enfin, c'est cool pour lui, quoi. Ah bah oui, clairement. J'ai aucun problème avec le fait que ça soit cool pour lui. Donc là, par exemple, je fais un truc qui est pas top. C'est améliorer une ligne. J'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est pas malin. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il s'est... Ah, mais il a sa super carte. J'avais pas... Je sais même pas ce que ça fait, en fait. Là, il a une carte qui est quand même très forte, donc s'il joue maintenant, il peut vraiment... Il peut gagner quand même la partie, hein, il n'y a aucun problème. Donc il choisit de passer. Moi, il suffit que je fasse 5. Donc en jouant une de ces deux cartes, c'est bon. Bah, je vais faire celle-là. Non, c'est 4 et 8. Bah écoutez, on va faire celle-là. Vous voulez quoi ? Voilà. Il y a quelqu'un qui dit pense à dupliquer la carte à 14. Ouais mais non, mais là c'est trop tard, j'ai gagné en fait. Parce qu'il a passé en fait. Donc j'ai gagné la manche, mais ça veut rien dire. Là maintenant il va avoir une super carte, et il va gagner du coup cette manche, je pense. Enfin, je lui souhaite, le pauvre. Sinon c'est un peu triste. Mais après il a peut-être des trucs... je ne sais pas du tout, hein, comment ça se passe. Je... Allez, ouais. Finissons-en. Ouais, il a une bonne carte. Ah, il a Geralt quand même. Hein. Donc, c'est pas mal. Les elfes mordent la poussière. Voilà. Voilà. Et là, il peut jouer deux cartes. Et il a encore une autre carte. Donc, je pense que c'est pas mal quand même. Je pense qu'il est bien, parti. On va pas se mentir. Hop. Je pense que là il a gagné. Voilà. Parce que mes cartes vont au mieux passer en or, mais c'est tout. Ça ne changera rien, je crois. Ah, si, ça a amélioré ses. Ouais, mais c'est pas, ça ne suffira pas. Ah, si! Ah merde! J'ai gagné! C'est un peu hasard, je ne savais pas, ça faisait gagner 2 points, donc du coup j'ai gagné. Bon, eh bien, nous allons le féliciter parce que nous sommes bons joueurs. Donc j'ai gagné, et j'ai un butin de guerre. Et ça, c'est cool. Je ne sais pas ce que c'est, le butin de guerre. Nouveau jour. Donc à chaque partie qu'on gagne, on débloque des choses, certainement. Donc j'ai gagné des fragments et des minerais. Belle partie, grâce à votre adversaire, hein, vous avez réussi une récompense supplémentaire, 5 minerais. GG. Merde, c'est drôle, ça. Franchement, t'as dominé du début à la fin. Ouais, clairement. Vu, ça fait des années que... On sentait la précision. Bon. Tu fais semblant. Et... Voilà, c'est ça. Chaque or avec les royaumes du Nord gagne de base 2. D'accord. Et ben c'est... Voilà. Je préfère les putains de guerre. Donc c'est cool. On va peut-être voir si je peux pas rajouter des trucs à mon jeu de cartes. Si ça ne vous dérange pas. Donc là-dedans, j'ai 26 cartes, je peux aller jusqu'à 40, et c'est assez intéressant, je pense, d'aller jusqu'à 40. Et déjà, est-ce que j'ai des cartes or à rajouter? Je peux rajouter Geralt? Non, je l'ai déjà mis. Donc celle-ci, renfort. Alors, renfort, on va la rajouter. Alors, non, encore, ne blindez pas votre truc de cartes, hein. Après ça rend le jeu injouable. Tu disais... Moi je disais, les gens ils avaient l'air étonnés que tu gagnes, mais non. Maxime il est fort. Ouais. On dirait pas, hein, comme ça. Je suis né avec des capacités incroyables. Ouais. Peut-être que ça vaudrait le coup de rajouter une carte forte.
contraire, moins tu as de cartes, plus tu as... Oui, c'est vrai. Non, on est d'accord. Je disais juste que 27, c'est peut-être léger. Je sais pas. Non, 25, non. C'est bien. Je crois que le minimum, c'est 25. Ouais. C'est comme dans tous les jeux de cartes. Moins t'as de... Oui, oui, plus c'est optimisé. Moins t'as de cartes, mieux c'est, quoi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une carte, une petite carte à niquer? Je vais essayer de bronze de votre côté. Là, je vais la copie. Ouais, je crois que c'est pas trop mal, ce que j'ai là. De toute façon, faut jouer pour... pour comprendre. Ouais, mais c'est ça, hein. Il fait semblant que c'est sa première partie, alors qu'en fait, il a déjà un compte, il a déjà joué 200 heures dessus. Ouais, non, en fait, renfort, c'est vrai que c'est pas forcément terrible. C'est pile ou face, quoi. Comme j'ai pas beaucoup de doublons de cartes, ça vaut pas le coup. Je vais retirer. On aura regardé, moi. Donc, on va jouer avec... hop, quitter, tac. Collection. On peut voir la collection des cartes, je me demande si c'est joli. Mettre 30 cartes, puis on verra. Vous pouvez utiliser ce menu pour visualiser les cartes. Quand vous aurez atteint le niveau 3, vous pourrez également fragmenter les cartes indésirables. Donc, comme dans tous les jeux de cartes. Hein. Hop. Ouais, donc ça va, on peut voir toutes ces cartes, c'est assez facile d'accès. Et ouais, c'est bien. C'est pas ouf, mais c'est bien. Hop. Et donc, on va jouer une autre partie libre. On va rejouer ce jeu de cartes-là. Et voilà. Le jeu est gratuit, je le rappelle. C'est un free-to-play, donc comme Hearthstone et compagnie. Serrez les rangs. Ah, du coup, il a le même truc que moi. Et c'est Sundogger. Sundogger, je sais pas comment ça se dit. Je reviens. Pas de soucis. Choisissez une carte sur le champ de bataille et retirez 6 à sa force. C'est un petit peu... C'est cool. Est-ce qu'on en a besoin d'autant? Je ne sais pas. Promotion, par contre, on n'en a pas besoin d'autant. Clairement. La vache, c'est cool. Geralt, c'est cool. Est-ce que c'est une bonne partie pour débuter? Je pense que... On peut peut-être retirer... jeter carte à sa force. Ouais, si, allez, c'est bon. Moi, ça me semble bon. Encore une fois, il faut jouer pour apprendre. Et c'est ça qui est bien. Alors, c'est une bonne question de Mutos. Est-ce qu'il y aura une campagne solo? Pas forcément où on a carte une carte, mais une campagne un peu comme dans certains, il y en a. Ça peut être sympa. Voilà. Donc, on va jouer Geralt. Allez, pour dire voilà, et il passe à 14, je le rappelle, grâce à ma compétence passive qui fait que les cartes or ont plus de... Il joue la vache, c'est un très bon coup, on va rejouer la vache aussi pour au prochain tour avoir une unité de même type. Ah, je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Colonel O'Neill, hein, sur Hearthstone, c'est pas un pay to win. Hearthstone pas... Non, c'est pas ouais, un pay to win. Non, parce que tu peux vraiment... Enfin, il y a des joueurs qui avancent vraiment loin avec, avec ça, quoi. Donc, est-ce que ça vaut le coup de tuer maintenant son truc? Je pense que oui, en vrai. Tout simplement parce que à ce tour-ci, ça lui ajoutera des points. Mais au tour d'après, ça lui retire une 9. Et c'est quand même pas mal de lui retirer une 9 la fois d'avant. On a failli se faire niquer avec ça. Donc, c'est pas mal. Pour l'instant, on va voir. Peut-être qu'on va passer. Ça dépend ce qu'il joue. Il passe. Il nous laisse donc la manche. C'est pas forcément une bonne chose pour lui. Peut-être qu'il savait qu'il allait perdre, effectivement, à 28-17. Peut-être qu'il savait qu'il allait perdre. On a remporté la manche, tout va bien. Mais il faut qu'on passe... Enfin, faut qu'on mette tout sur le paquet, quoi. Là, elle n'a pas des très bonnes cartes. Bon. Et il a beaucoup de cartes, hein. Beaucoup plus que nous, je crois. Mais ce n'est pas grave, on va essayer. Ah, et donc Samus Cosplay confirme, le solo arrive après la bêta, donc il y aura bien un solo. Et ça, je trouve ça toujours cool dans ce genre de jeu. Et il a dit les campagnes solo. Et ça, c'est cool. Alors, on va détruire immédiatement ça. Parce qu'il va améliorer son truc, hein, je pense. Voilà. Le but, c'est d'annihiler sa partie. Oh shit. Il fait incinération. J'ai bien fait de pas jouer de cartes. Tout va bien. On reste sur ce qu'on a fait. Boum. Abandonne. T'as aucune chance. Il peut toujours gagner, hein, encore une fois. Tu plaisantes. Jouer une unité aléatoire. Très bien. Nous allons cloner toutes les modifications. Donc non, on va pas la jouer. On va plutôt...
maudit non-humain. L'améliorer. Peut-être qu'il a encore une incinération, on ne sait pas, mais c'est aussi ça le but. Voilà, tout va bien. Maintenant, nous allons jouer le tonnerre de machin sur sa carte là. Sur celle-là, sur celle-là, sur celle-là, sur celle-là. C'est chaud, c'est bien, j'aime beaucoup. Il y a encore beaucoup de cartes, encore une fois. On va faire une petite promotion à celle-là, pour qu'elle passe à 12. Et on va vite la cloner, avant qu'il ne puisse la tuer. En espérant qu'il ne puisse pas la tuer, bien sûr. Vous voulez quoi ? Ouf. Là, il me fait du mal, hein. Je pense qu'on est mal barré. Ah, mais non ! Je ne peux pas, sauf or. J'ai été con, je n'ai pas lu. Encore une fois, vous voyez, il faut vraiment bien lire les cartes. Hein. C'était stupide. Ce n'est pas grave. On va jouer une 7. C'est tout ce qui est plus normal, mais bon. Je pense qu'on est mal barré. C'est pas grave. En avant, chargez. De toute façon, au pire, on perd. Voilà. Celle-là, je pourrais la cloner après. Il n'y a plus beaucoup de cartes, je pense. Je peux encore cloner celle-là. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de passer? Je pense que si. 21-34, je peux pas rattraper. J'aurais dû passer même avant, je pense, de jouer celle-ci. Ce n'était pas très bien joué de ma part. Ce n'est pas très grave. Encore une fois, il faut apprendre de ses erreurs et c'est ça. C'est ça qui est important. Ouais, c'est pas top. Bon, allez, hop. Nous allons jouer les mêmes cartes. Donc attention, il va falloir être rapide. Parce que dans deux tours, je ne pourrai pas la cloner. Ah, et là, je suis fini. Je ne peux pas faire grand-chose. Bon, bah c'est tout, tant pis. Vous voulez quoi ? Je vais juste perdre. Avec un peu de chance, il peut me tuer. Ah, il y avait quand même des bonnes cartes. Hein, c'est en cool. Avant, chargez. Boum. Boum. Voilà, je peux faire que ça, mais ça ne suffira pas puisqu'il va avoir son bonus et pouvoir m'attaquer avec. J'ai une fin de l'eau. Voilà. Donc c'est tout. Dommage. On peut jouer le beau temps et c'est beau. Il y a encore des clés à gagner. Elles seront à gagner à la fin du live. Pas de soucis. Et voilà, c'est parti. Donc il passe à 18. C'est bien joué. On peut l'applaudir. Hop, on passe parce que de toute façon, on ne peut rien faire. Et bravo à lui. Donc, vous voyez qu'il faut, encore une fois, apprendre vraiment à jouer. Mais on a quand même un butin de guerre. Ce n'est pas rien. Est-ce qu'on gagne quelque chose? Non. Si, on a gagné 5 fragments. Voilà. Mais on n'avance pas la barre qui nous permet de gagner certainement du loot. Plutôt cool. Bon, on va continuer encore. C'est quand la fin du live? Je ne sais pas. Dans une demi-heure, peut-être? Serrez les rangs! Alors, on joue, à mon avis, avec des débutants comme moi. Ou bien ils sont spécialistes de ce deck de cartes, parce qu'on joue tous un peu avec la même carte. Putain, je retombe sur exactement la même carte. Ça, c'est cool, mais c'est pas si cool que ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est vachement bien. Oh, allez, on tège la cavalerie. Ah non, la cavalerie légère, quand même, elle est vachement cool à améliorer. Je vais essayer une carte, hein, et ajouter 8 à sa force. J'ai tout ça, ouais, elle est quand même cool celle-là. Et incinération, c'est quand même top. C'est un peu suicidaire quand même, mais c'est top. Allez, on accepte. On laisse venir. Donc le but, c'est de tuer ces grosses unités. Ah, enfin. Hop, donc on peut direct dire pan. On va jouer méchant. On va voir si ça marche. Ah, il en a deux. C'est pas grave. On lui redit. On peut peut-être même lui tuer tout. Non, on va attendre un peu. Pour l'instant, on est à autant de cartes. Donc, ouais, je suis pas convaincu que le jeu va se développer en termes de communauté. Pourquoi? T'as quand même des gros concurrents, hein, genre rien que Hearthstone en termes de jeu de cartes. Ouais, mais Gwen t'as quand même vachement bien marché aussi sur. Sur machin. J'ai même pas regardé ce qu'il a fait. Il a joué ça, d'accord. J'aurais dû regarder.
Ah, oh, mon dieu, regardez, c'était bête. Je regardais le chat, en fait. J'ai fait un peu n'importe quoi, c'est pas grave. Attendez deux secondes, je reviens. Hop, me revoilà. Eh, c'était littéralement deux secondes. Du coup, je sais pas quoi jouer. On va jouer ça au hasard pour voir ce que Est-ce ça donne. Que vous me voulez avec un peu de chance, j'aurai Geralt. Non, ça peut pas être une or. Bah, ça n'a pas joué de carte. Attendez. Ah, de votre défausse. Putain, je suis con. J'ai pas lu. Mais encore une fois, faut faire attention à ce qu'on lit. C'était bête. Bravo. Voilà, de toute façon, allez, on va passer. C'est pas grave. Au pire, j'aurais peut-être une manche après. Bon, c'était n'importe quoi. Bah, encore une fois, je trouve que c'est très différent de tout ce qu'il y a sur le marché niveau jeu de cartes. Donc là-dessus, je pense qu'ils peuvent vraiment s'installer. Beaucoup plus que d'autres. Parce qu'il est stratégique, mais à un angle totalement différent des autres, en fait. Je pense que vraiment, il peut marcher. Après, on verra. Oui, chef. Ah, il t'a dit proche... Ah non, c'est pas toi qui a dit ça. T'as aucune chance. Quelqu'un qui parle du prochain jeu de cartes de Blizzard. Non, Blizzard ne va pas faire de prochain jeu de cartes. Elder Scrolls ou tu vas faire un... Mais je vois pas l'intérêt pour Blizzard de faire un autre jeu de cartes. Mais non. Qui marche bien, donc... Je hais les portails. Hop. Même si d'un point de vue compétitif, Hearthstone commence à... Les elfes mordent la poussière. À atteindre des limites, quand même. Ouais. Bah oui, parce que les joueurs sont devenus tellement bons avec les cartes à leur disposition. Finalement, quand tu regardes les compétitions, il y a quand même énormément de chances qui sont impliquées. Enfin, ouais. Qui est impliqué dans les parties. Ouf, ça fait mal. Et en termes... Attendez, hop. Vous voulez quoi? Et en termes d'e-sport, ce qui est flagrant, c'est qu'en ce moment, si tu veux, il va doubler sa carte. Écraser cette vermine. Ouais, bah je suis dead, hein, je crois. Je peux rien faire. Ouais, si. Bah c'est tout. Je vais passer, lui offrir. Bon, allez, je vais quand même jouer mes cartes pour le fun. Pop, j'aurais dû faire ça avant, c'est pas grave. Hop. Quel or je vais faire? Je vais mettre celle-là en or. Parce qu'elle sera plus belle. Ah, mais oui, en plus, elle est double. C'était pas si bête que ça ce que j'ai fait. Et voilà. Bravo. Le Gwen sera pas en TCG. Mais non, mais vous savez, on peut pas démarrer un jeu de cartes et être excellent. Surtout quand on connaît pas du tout les cartes et qu'on joue n'importe comment. Hop, on gagne... Alors, pourquoi on gagne des fragments? Est-ce qu'on les gagne automatiquement? Ou est-ce que c'est parce qu'on a eu un GG ou un truc comme ça? Je ne sais pas. Allez, une dernière partie. En tout cas, moi, je trouve ça très différent de Hearthstone. Et je pense que ça peut vraiment trouver son public. Contrairement à tous les jeux qui essayent de copier vraiment Hearthstone. Ce qui n'est pas une bonne chose. Alors, choisissez une carte argent. L'autre jeu, jouez là. Au début du manche, vous pouvez choisir qui commence. D'accord. J'ai tout le temps... Ah, j'ai Geralt, ça c'est cool. On va tèche quoi. C'est une récompense qu'on te fait ici, d'accord, ça veut dire. Donc c'est quand même cool, ça incite au gameplay cool. Stream, machin. Bon, médecin du terrain, c'est quand même cool. Ah mais or. Donc c'est pas terrible. Ça c'est bien après. Un truc que t'as sans doute pas testé, c'est est-ce que tu peux parler dans le jeu? Je ne pense pas. Mais c'est une bonne question. Et ça, c'est bien. Bon, j'ai pas regardé ce que j'avais, mais j'ai pioché un peu de la merde, donc c'est pas grave. Hop. Ouais. Bon, on va jouer avec Geralt. Merde. Ou verte, je ne sais pas.
c'est quand même cool, les GG, c'est bien. Je trouve ça cool. Je ne fais pas rire. Ah, il y a Siri. Est-ce qu'on peut la tuer? Ah si, tu le fais, demande s'il y a des quêtes journalières. Bah, il semble, parce que j'ai quand même un truc qui ressemble vachement à ça. Moi, je suis pas convaincu là sur le principe du GG, parce que finalement, les gens, s'ils veulent te saouler, ils font pas un GG, comme ça tu reçois pas tes fragments de cartes. Attends, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Ah, sauf carte or, putain, j'ai été con. Alors là, par contre, ça, je trouve ça pas terrible. Il te laisse jouer une carte alors qu'elle n'aura aucun effet. Et ça, c'est pas. Enfin, ça t'apprend bien, mais c'est tout. Garder une unité sur la jambe de table à chaque manche. Ça, c'est violent. Ça, c'est chiant, je trouve, parce que ça... Ah, puis là encore, j'ai fait de la merde. En fait, faut vraiment que j'apprenne à discerner les cartes or et non or. C'est vraiment un truc qui te nique la gueule quand tu démarres. Donc là, je viens de chier deux cartes. Merci Dabalix, qui resub. Là, je viens de chier dans la colle deux fois de suite, ce qui fait que ça va être très dur de remonter, quoi. Clairement. Vous auriez pas des vivres. Mais bon. J'ai une fin de loup. C'est tout. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc là, j'ai chié dans la colle deux cartes. Donc il a passé, on va passer aussi. Voilà. C'était qu'une manche, ça ne veut rien. Hop. Et moi, j'aimais bien dans Witcher 3 où tu pouvais spammer les espions pour. Donc, ça me dit ne pas jouer carte or. C'est vrai que c'était pas la bonne idée quand tu démarres de faire ça. Mais bon, c'est. C'est comme ça, c'est bien. Donc, on va se faire une ligne de costaud. C'est quoi, blablabla. Doubler la force de toutes les unités sur cette ligne. Est-ce qu'on peut se faire une ligne de costaud avec eux? Ouais, on va essayer. Skellig joue surtout sur son cimetière et sur les dégâts de ses propres unités, d'accord. A voir. Ouf, fuck. Putain, j'aurais dû la tuer avant. Il fait mal, c'est bien. Ouais, ce que vous savez pas, c'est que Maxime laisse gagner les adversaires pour ne pas dégoûter les gens qui sont dans la bêta. C'est ça, on m'a demandé. On m'a dit non, ouais. Franchement, s'il te plaît, laisse-les gagner un petit peu, fais pas ta pute. Un truc comme ça, je crois. Tu confirmes, Samus Scopesfield. On ne meurt qu'une fois. C'est quoi ça? C'est des cartes spéciales? D'accord. Il va falloir la tuer avant, mais c'est pas possible. Vous voulez quoi? Après, je trouve que visuellement, c'est pas top à regarder en stream. Par ah, en stream, exemple, je sais pas. Moi, c'est vrai que tous ces jeux-là, j'ai envie de dire, en stream, je sais pas ce que ça vaut. Bah, le truc, en fait, c'est que si tu regardes, par exemple, Hearthstone... Attention, ça va faire mal. Voilà. Si tu regardes Hearthstone, par exemple, visuellement, tu peux voir ce qui se passe sur le terrain, tu vois les attaques, tu vois les points de vie. C'est assez simple à regarder. Ici, moi, par exemple, je suis en train de regarder live, je vois qu'il y a des chiffres, mais pour moi, je vois pas les effets des cartes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, ça, après, c'est quelque chose à travailler, effectivement. Je sais pas si c'est plaisant à regarder, j'en sais rien. Et puis, je connais pas assez ces jeux-là pour savoir. Je pense que visuellement, ça manque d'informations pour bien analyser ce qui se passe en jeu, pour les joueurs extérieurs. Toi, peut-être que toi, tu vois à peu près ce qui se passe, tu vois à peu près ce que tu vas faire. Mais je pense que pour quelqu'un de l'extérieur, moi par exemple, là, je suis le stream en... C'est d'un œil parce que je lis le chat en même temps. Moi aussi, hein, quand je regarde... je joue d'un œil, mais bon. Quand je regarde la partie, du coup, j'ai absolument aucune idée de ce qui se passe. Si je vois que le type gagne, est en train de gagner la manche... Ouais. Mais je saurais pas te dire pourquoi, tu vois, et c'est un peu galère de commencer à calculer, regarder les effets, etc. Bah après, c'est aussi parce que tu connais pas le jeu. Ouais, peut-être aussi. Ça joue forcément. Mais disons que dans Hearthstone, par exemple... Hein, je peux pas gagner, je précise quand même, là. J'aurais dû annuler, mais le problème, c'est que
Ayant mal joué deux cartes dès le début, j'étais très mal barré. Je suis d'accord, sixième pré-gaga que sur Hearthstone, si tu connais pas, c'est pareil, tu piges rien. Ouais. Mais le truc, c'est que dans Hearthstone, t'as pas beaucoup de cartes, t'as maximum 7 cartes de chaque côté. Ouais, mais franchement, pour avoir regardé des parties de Hearthstone, tu peux... Enfin, franchement, tu calques dalle. Et le truc, c'est que tu calques dalle, et pire, c'est que les gens ont... Enfin, il y a des effets aléatoires qui font que tu... En plus, même si tu connais un peu le jeu de cartes, tu fais genre, pourquoi il se passe ça? Et franchement, je pense que tous les jeux de cartes ont ce problème. Après, oui, il y a les effets et tout, mais là, c'est quand même relativement simple à comprendre. Il y a juste les effets spéciaux, on va dire, de ces cartes-là, mais bon, c'est pas ouf. Fait 78 ça, en fait, ici, attendez. C'est le problème, en fait, avec les effets spéciaux, par exemple. Tu regardes un live de Hearthstone. Admettons que tu connais le jeu. Tu connais à peu près le jeu, mais tu connais pas bien les cartes. C'est vachement cool, ça, les cartes. T'as des cartes qui sont affichées, tu vois clairement ce que la carte fait. Ouais. Alors que ici, personnellement, tu vois, t'as pas. Je trouve que t'as pas toutes les infos. Si, là t'as toutes les infos quand même. Ah, au moment où il les joue, tu vois à droite promotion, spécial, choisir une unité, etc. Donc tu le sais et tu vois visuellement ce qu'elle fait en plus. Je sais pas. Je vais jouer pour le fait de jouer. c'est vachement bien en fait. Il a une carte, celle que je voulais tuer au début, puis que j'ai pas pu tuer malheureusement. Qui permet de... Enfin, j'aurais pu la tuer si j'avais pas chié dans la colle au début. Mais c'est vraiment cool de voir les autres decks. C'était un peu relou de tomber sur son propre deck, en fait, tout à l'heure. Je vais essayer de changer, du coup. Hop, on va le féliciter. Ah, il me félicite peut-être pas, je ne sais pas. On va voir. Non, mais Keitzo, le truc, en fait, c'est que Hearthstone, le problème avec Hearthstone, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont atteint un bon niveau. Et finalement, le gouffre qu'il y avait au départ entre les très bons joueurs et les joueurs moyens, c'est de plus en plus creusé. Et finalement, on a atteint un espèce de seuil où finalement, t'as de plus en plus la chance qui détermine le gagnant. Parce que les joueurs font de moins en moins d'erreurs. Et ça, c'est un peu triste. Hop. Tac. Bon allez, on va tester celui-là. Hop. On fait une partie libre. Partie libre. Avec celui-ci. Tu peux gagner, mec. Bah, encore une fois, c'est toujours pareil. Ces trucs-là, dans ces jeux-là, si vous ne connaissez pas un minimum le jeu, les cartes et les cartes de l'adversaire, ça va être très dur de gagner. Vous gagnerez plus sur un coup du hasard qu'autre chose, quoi. Là, par exemple, j'ai pas lu ce qui était marqué. C'est un très mauvais choix. Je suis d'accord avec Néo Tyran, hein, qui dit que le jeu, comme ça fait pas de l'œil, ça donne pas envie de se lancer car c'est juste du bois. Alors que, par exemple, Hearthstone, tout est bien dynamique, c'est vivant, l'arène est vivante. Ouais, après, il y a aussi le fait que Hearthstone, le jeu a gagné, enfin, est hyper connu maintenant. Est-ce que, encore une fois, Gwent cherche à être un Hearthstone killer ou simplement une alternative? Et je pense qu'il cherche carrément plus à être une alternative et que c'est franchement le meilleur choix pour... Pour un jeu de cartes à l'heure actuelle, tu peux pas battre Hearthstone sur son terrain. Non, mais je suis d'accord, mais je pense que l'arnaque de Néo Tyran, et je suis d'accord avec lui si c'est le cas, c'est que le jeu est pas... Je le trouve pas sexy, en fait. Visuellement, il est pas attirant. Enfin, faut pas oublier qu'on est dans une bêta, donc ça va s'optimiser. Et puis, entre Hearthstone, quand il est sorti, et Hearthstone quelques mois avant sa sortie, et Hearthstone maintenant, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, mais visuellement, c'était pareil, tu vois. Visuellement, Hearthstone, que tu regardes maintenant, ou que tu regardes là, je sais pas quand il est sorti, mais là, 2-3 ans, visuellement, le jeu donnait envie, tu vois. Les cartes étaient vivantes, les arènes étaient vivantes, tu pouvais cliquer dessus, il y avait des petits effets. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ici, c'est assez... Est-ce que finalement, c'est pas ce que. Enfin, est-ce que finalement, ils ne cherchent pas à viser simplement les joueurs de. Comment ça s'appelle? Alors, attendez 2 secondes. Hein. Ouais. Est-ce que finalement, ce n'est pas le but n'est pas de viser simplement le public déjà existant et à partir de là voir et avancer tranquillement, parce que je ne sais pas ce qu'il en est du développement de ce jeu-là. Hein. Je ne sais pas où il en est, je ne sais pas où il va, mais je pense que attendez 2 secondes. Hein, je lis mes cartes parce que je les connais pas. Je vais essayer et ajouter 4 à la force de toutes les cartes identiques sur son côté. D'accord. Brouillard, c'est quel niveau? Ligne de combat ou à distance, d'accord. Ouais.
Okay. Je trouve les cartes de Gwen bien plus belles. Je me prononcerai pas sur les cartes, sur les artworks des cartes. Moi, je parle surtout de l'interface et de l'arène. Hein. L'interface et de l'arène fait beaucoup plus vieillot que Hearthstone. Mais encore une fois, c'est bah, un avis personnel. Ouais, voilà. C'est après, je pense que là-dessus, ça va être. Il y a des animes sympas. Après, encore une fois, on est dans une bêta. Faut voir jusqu'où ça va. Maintenant, sur ce genre de jeu, je pense que la seule manière de battre, entre guillemets, la seule manière de battre ce Hearthstone, c'est de se placer à côté de lui et d'offrir quelque chose de différent. Si possible, de mieux équilibrer aussi, ce qui est une très bonne idée. Donc, Encore une fois, tu peux faire les deux. Je veux dire, tu peux être une alternative au jeu, tu peux proposer des. Ouais, mais des encore une fois, après. Jeu, tout en ayant une interface qui est vivante. Je suis d'accord. Là, je trouve personnellement que ça manque de vie. Mais après, on va voir comment ça évolue. Après, je suis d'accord sur le fait que ça fait bois sur bois, c'est pas forcément ultra sexy, quoi. On est bien d'accord avec ça. C'est à moi, j'étais pas sûr. Jouer tous les impairs, c'est-à-dire le jeu invulnérable aux effets du chiffre. Je sais pas si j'en ai plusieurs, on va voir. J'en ai plusieurs. C'est une bonne nouvelle. Ah putain, lui, faut le tuer. Maintenant. Et après, attention, hein, sur le chat, je suis pas en train de dire que c'est mal réalisé ou quoi que ce soit. Hein. Je comprends que c'est un style bien particulier, que ça respecte l'univers de Witcher, que ça reprend l'idée du jeu de cartes dans le 3, d'accord, mais je veux dire, comme ça, moi, qui regarde le stream, je me dis, ça me donne moins envie de regarder que si je regardais, par exemple, une partie de Hearthstone. Pour moi, les informations, il y en a davantage, c'est moins visuellement sexy, et je suis plus rapidement perdu, tu vois. Après, peut-être que le jeu est super fun à jouer, hein, je dis pas le contraire. Bon, une fois, je parle en tant que viewer, hein, je parle pas. Ouais, c'est ça qui est important de voir, c'est que. Puis c'est un avis, les gens, si vous êtes pas d'accord, vous êtes pas d'accord. Et c'est très bien, mais. Bon, allez, ouais, on va lui faire un peu peur. Ce qui serait bien, c'est de gagner cette manche. Tout va bien. Mais je pense qu'il a des choses qui font faire peur aussi. Oh non, on va te faire enculer, putain, nique ta mère. Putain. Je peux rien faire. Bah, je vais passer. Ouais, mais si je passe, il gagne. Je suis mal barré. Mais je suis assez d'accord aussi avec Rooney, hein. Les cartes pour moi sont trop petites. Hein, mais... bah, elles sont trop petites, après ça va être dur de mettre d'espace pas le choix, à part. Ouais. Et elles sont trop petites, mais elles apparaissent quand même bien visibles là. Ouais. Donc, je sais pas. Ça encore une fois, c'est... Ouais, je suis d'accord, hein. Je pourrais pas... Y aurait pas voilà, après, est-ce que le jeu était au mieux... Oh. Oh. Ah mais c'est bien là, il se passe plein de trucs cool. Maxime Elbeck dit place Gérald et... Gérald et ça, et passe. Je vais placer Geralt maintenant. Ah, je hais les portails. Allez, finissons-en. Hey, Geralt contre Geralt, ça n'a aucun sens. Il a beaucoup de cartes quand même. Encore. Oh non, il peut me faire du mal. Oh, ça va. On va voir. Encore une fois, je ne sais pas jouer. C'est ça qui est important, c'est de voir. What? C'était quoi ça? J'ai pas compris ce que ça a fait. C'est vrai que, comme dit Tentacle Blue, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de pièges, il n'y a pas de sorts et tout ça. Mais c'est pas le même. Il y a des pièges et des sorts quand même. Il y a plein de trucs. Mais après, encore une fois, le jeu démarre. Il y a pas mal de trucs qui doivent être ajoutés. Et chaque deck qui s'ajoute va, à mon avis, changer pas mal de choses. Donc.
Non mais lâchez-le, je ne compare pas les deux jeux. Hein. Je suis pas en train de dire Gwen c'est moins bien ou Gwen c'est mieux que Hearthstone. C'est pas ce qui se passe. Juste que visuellement parlant, ça m'attire moins. Ça n'a rien à voir avec le système de jeu. Bon, eh bien j'ai gagné une deuxième partie. Et ça, bravo, c'est beau. Non, 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 je voulais le féliciter. Putain, j'ai failli le féliciter. J'ai eu trop peur. J'ai failli être un connard. Donc on gagne des fragments et des minerais. Voilà. Alors, quitter, est-ce qu'on peut... je crois qu'on peut pas encore créer des cartes, des trucs comme ça. Je crois que non. N'oubliez pas non plus que vous pouvez jouer avec des decks de base et qu'il y a plein de cartes à débloquer avec d'autres effets. Effectivement, là pour l'instant, on joue quasiment que avec des cartes de base. Il y a plein de cartes à débloquer et j'en ai débloqué, pour ainsi dire, aucune. Donc il faut pas négliger ça. Je voulais voir, est-ce que c'est possible de créer des cartes? Non, faut être niveau 3 malheureusement. Ce qui ne sera pas le cas pour ce live. Peut-être qu'à moins que ça soit là, je ne sais pas. Oh, mais prends ton vrai compte, Maxime, tu sais, ou celui où t'es premier au classement mondial. Vous pouvez voir qu'effectivement, il y a des cartes toutes les factions. Il y a des cartes neutres, cartes monstres, mais voyez. Donc pour l'instant, j'ai en moyenne 14 cartes sur 40, sur plus d'une quarantaine. Donc j'ai moins, enfin j'ai à peu près entre un tiers et la moitié, on va dire j'ai un tiers des cartes disponibles. Et quand vous voyez sur toutes les factions, j'ai 70 cartes sur 208, c'est que dalle. Donc encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir de ce jeu. Je pense qu'on peut pas le juger comme ça rapidement. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je ressens autant de plaisir de jeu que sur les nombreux jeux de cartes que j'ai pu jouer de ce type-là, que je trouve qu'il est différent, ce qui est toujours une bonne chose. Il y a un autre jeu qui est pas mal dans le genre, si vous connaissez pas, c'est... je sais plus le nom. Donc Samus propose de faire quelques parties. Ouais. Mais ça peut être très bien, Samus, effectivement, et puis de refaire un live plus tard. Hein. L'autre jeu dont je vous parle, c'est... je ne me rappelle plus. Je suis sûr que ça va... Je suis sûr que je ne vais pas retrouver le nom. Attendez. Je l'ai pas. Bonne remarque de Belgen Musa qui demande t'es numéro combien dans le classement mondial. Numéro 1, en fait. Enfin, 2 maintenant, parce que j'ai perdu une partie. Oh, merde. N'importe quoi. putain, j'essaie de retrouver le nom du jeu, mais je vais pas le retrouver. Attention, vous regardez le stream du vice-champion du monde de Gwen. donc je rappelle, hein, vous allez regagner des cartes. Donc, là, j'ai Fable Fortune, mais c'est pas ça. Je sais pas. Alors pour les gens qui, pour les gens qui demandent, il reste 2 clés encore à gagner. Ouais. Putain, je retrouve pas le nom. C'est un jeu de cartes. Ouais. Qui est dans l'univers de... Peut-être de Might and Magic. Duel of Champions. C'est peut-être ça, ouais. Ouais. Et il est pas mal. Avait joué... Il est un peu abandonné en ce moment. Il y a Duelist aussi, qui est pas mal. C'est différent, jeu... hein. Ouais, c'est très différent. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est plus un jeu tactique. Mais encore une fois, ce que je trouve intéressant, c'est que sur le marché, il y a de plus en plus de jeux de ce type. C'est vachement bien. Et je trouve que c'est cool que ça se développe maintenant. Est-ce que tous auront leur place? Clairement pas. Qu'est-ce qui va faire la différence? Sincèrement, on peut pas trop dire parce que Hearthstone n'est pas non plus un exemple en termes d'équilibrage. Mais par contre, un exemple en termes de suivi, comme d'habitude avec Blizzard. Et en termes de... comment ça s'appelle? Enfin, de gros, gros, point noir quand même, gros point noir quand même pour Hearthstone en termes de suivi, c'est que y a des déséquilibres sur certaines cartes que les joueurs voient, il faut des mois pour que ça soit corrigé. Hein, quand je dis suivi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contenu ajouté, hein, attention, ça ne veut pas dire qu'il y a une optimisation du jeu. Moi, ce que j'ai envie de dire maintenant, c'est que avoir un jeu de Gwent comme ça, c'est cool. Est-ce que les gens vont s'investir dedans? Je pense que oui, quand on voit à quel point le Gwent a eu du succès. Est-ce que ça va durer? J'en sais foutre rien. Ça dépendra beaucoup de ce que CD Projekt va faire après. Maintenant, le jeu tel quel, là, en bêta, moi, il me donne envie de jouer, il me donne envie d'y rejouer. Chose qui n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas, Fable Fortune? Donc, il reste combien de clés pour la bêta fermée?
que tu vous devais donner au Modo. Putain, j'aimerais bien avoir un Mutant Blade Bannerlord. Soit dit en passant, tout à l'heure, j'ai eu une clé pour Warhammer Deathwing, dont on parlait hier soir en live, et soit dit en passant, la clé était une duplicate, donc finalement, je ne l'ai pas. C'est toujours cool. Donc, partir notre ami, par exemple, est-ce que c'est facile à organiser? Je pense que oui, hein, mais on va regarder. Voilà, on peut inviter des gens. Et on peut inviter avec... d'accord, c'est cool. Et entraînement, on peut s'entraîner. Voilà. C'est bien, Maxime, on peut t'envoyer ton chèque maintenant que tu as dit du bien sur Gwent. Merci. j'en dis pas du bien, je dis surtout que pour l'instant, je trouve que c'est prometteur. Maintenant, il faut que ça continue et ce n'est que le début de la bêta, donc il y a beaucoup de choses à faire encore. Du coup, on va faire des petites questions pour ça. T'as dit en passant, t'as parlé tout à l'heure de Duel of Champions. Je peux me tromper, hein, mais il me semble que le jeu est de plus en plus abandonné. Hein, donc c'est peut-être plus forcément une bonne piste. C'était Duel of Champions. Je sais pas si c'est celui-là. Est-ce que c'est celui-là où tu dois faire en fait une aventure en fait pour ton héros plus ou moins? Ouais, je pense que c'est celui-là. Ouais. Donc t'as trois lignes différentes. Oui, c'est ça. Tu peux attaquer le héros que si t'attaques les lignes. Ouais. Je sais plus c'est quoi exactement, mais ouais, c'était pas trop mal. Le jeu fonctionnait bien avant Hearthstone, j'avais joué avant Hearthstone, et puis depuis que Hearthstone est sorti, le jeu a commencé à décliner et la base de joueurs s'est rétrécie, et maintenant je pense qu'il n'y a plus énormément de joueurs dessus. Alors... C'est con, hein, parce qu'en soi le jeu était cool. Mais c'est ça en fait le problème, c'est chaud d'affronter quelqu'un comme ça. C'est comme tous les gens qui vont essayer d'affronter Overwatch vont juste périr. Hein, non, soit clair. Je pense pas que les gens essayent forcément d'affronter les jeux. Je pense qu'ils essayent surtout de surfer pour attirer un petit peu. Mais va dire ça à Battleborn, quoi. Il est parti. Je crois qu'il est en free to play maintenant. Non, mais c'est n'importe quoi. Il n'y a plus de joueurs. Hein. C'est n'importe quoi. Allez, c'est parti. Donc, éliminer l'intrus. Moi je vais cliquer au hasard, attendez. Non, je sais pas voilà, que tu parles. Là-dessus. Éliminer l'intrus entre Foltest, Necker, Manticore et Nitral. Allez-y. De quoi tu parles? Du concours. Oui, non, mais j'ai aucune idée de la réponse, moi. Ah bah moi j'en sais rien, mec. C'est pas mon problème. Par contre, je crois qu'il faut un S à un truc. J'ai copié-collé ce qu'on m'a donné. J'ai une alerte. Apparemment, il y a des gens qui m'ont ajouté comme ami, peut-être. Moi, je dis rien, mais par exemple, dans Nitral, il n'y a pas d'E. Alors que dans les trois autres, il y a un E. C'est peut-être ça. Je ne sais pas. Dans les cœurs, il y a des K. Alors que dans les autres, il y en a pas. Oh merde, je suis con. Je crois que j'ai trouvé la bonne réponse, mais j'ai déjà voté. Merde. Ah, t'es triste, là. Oh merde. Bon, allez, on arrête dans 5, 4, 3, 2, Nitral gagnant. Hop, et donc c'était bien Foltest. Fuck! Foltest est la seule carte de cette liste et la seule à ne pas faire partie du deck monstre. C'est le meneur de base des Royaumes du Nord. Seule carte de Seth, pardon. Excusez-moi. Alors, attention. Donc c'est Foltest et le gagnant est le boucher de Blaviken. Un fort beau pseudo. Ah, moi je sens que c'est quelqu'un qui suit les lives régulièrement et qui n'a pas du tout créé son compte pour regarder le live de Gwent. Mais ce n'est pas grave, on l'aime quand même. Hop, 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 et tu as reçu normalement ton... ton lien. Poup, et donc on va enchaîner avec la dernière question. Ce sera la dernière question de ce soir. De chef, pardon, excuse-moi, mais si tu fais des fautes d'orthographe, je l'ai lu. Je l'ai lu, pardon. Je ne sais même plus parler. Hop. Et c'est parti pour la dernière question. Poup. Poup. Ah merde, il y a du troll dans cette question, c'est drôle. Trop bien, Smart Killer. On sent que t'es toujours là. Est-ce qu'il y a Jean-Michel Apathy sur cette photo? Je me demande maintenant. S'il y en a un, c'est trop bien.
Tentacle Blue, tu fais des références à une série qui me manque. Hop. En fait, c'est une annonce de ouf. Hop, et c'est parti. Quel sera le prochain gros titre du studio de CD Projekt Red, or Gwent? Est-ce que c'est The Witcher 4, The Return of Cyrilla, Cyberpunk 2077, The Witcher Universe MMORPG, Cyber Society 2020, ou Jean-Michel Apathisa Game? Je pense qu'on sait tous que c'est Jean-Michel Apathisa Game. En tout cas, on l'espère tous. Le suspense est à son comble. Genre, mes chiffres, vraiment, tu ne sais pas c'est quoi le prochain jeu. Non, moi non plus, je sais pas. Vous êtes dead. Allez, je vous donne un indice, ce ne sera pas un jeu The Witcher. Est-ce que ce sera Jean-Michel Apathy ou Cyber Society? On ne sait pas. Quoi, il y a une autre possibilité? Mais en fait, je pense que la bonne réponse, pour moi, ça paraît être un troll. Parce que, il me semble qu'ils l'ont repoussé plein de fois, ce jeu. C'est un jeu qui n'a pas... La bonne réponse, c'est pas un troll. Jean-Michel Apathy, c'est best game ever. Tout à fait, Phoenix of Flame. Tu aides trop. Les gens, c'est au hasard. Hein. Donc, je veux dire, voilà. Pas de soucis, le boucher de Blaviken. Blaviken. J'ai le droit de me tromper dans les pseudos. Je suis sûr qu'un jour The Witcher MMO va arriver. Je sais pas, hein. Franchement, je sais pas si c'est dans leur intérêt. Puis ça casserait un peu le mythe de pas jouer. Enfin, s'il y a 10 000 sorceleurs ou des trucs comme ça, je sais pas. À voir. Putain, mais Shift, tu fais n'importe quoi. Bon, allez. Mais... On arrête dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Poup. Donc le bon était bien. Cyberpunk 2077, parce que il se trouve qu'une bonne partie de l'équipe travaille sur Cyberpunk 2077, qui est tiré du jeu de rôle papier, qui lui s'appelle Cyberpunk 2020. Et donc le jeu se passera 57 ans plus tard. Il n'y a pas de date de sortie annoncée, puisque bah, comme d'habitude, ils prennent le temps de bien finaliser le jeu avant de le sortir, ce qui est cool. Et il n'y aura aucun nouveau titre The Witcher d'annoncé hormis Gwent. Enfin, aucun n'est prévu pour le moment ou annoncé pour le moment hormis Gwent, bien évidemment. Et donc, c'est Cyberpunk 2077, et c'est Pizza aux crevettes qui a gagné. Quel sublime pseudo. Ah merde, quoi. Pizza aux crevettes. C'est dégueulasse comme idée. Ça ne se fait pas. Ouais, je sais pas, c'est bon les pizzas aux scampi. Je sais pas. Moi, je te le dis. Hop. Bravo, Pizza aux crevettes. Et c'est le GG, effectivement. Hop, on va tac arrêter. Donc, je remercie en tout cas, CD Projekt. Je remercie bien évidemment le monsieur qui s'est chargé de tout ça. Et du coup, alors au fait, tu penses quoi des rumeurs suite à l'univers DS autour de l'âge de l'eau? Quoi? Je ne sais pas ce que tu parles. Met-il de l'ananas sur la pizza aux crevettes? C'est une bonne question. En même temps, c'est pizza. Hein. Pour moi, une pizza, c'est une fille. Vous voyez? Pizza aux crevettes, es-tu un homme ou une femme? Du Dark Souls 3 maintenant? Non, je vais travailler. C'est un truc qui est plutôt pas mal. Ceux qui ont perdu, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours vous inscrire. Alors... Wait, je viens d'arriver et j'ai voté parce que le nom était cool. je suis pas dégueulasse. pizza crème, saumon, scampi, une préférée. Vous avez vraiment cru. Est-ce que j'ai testé Ashes of Arendiel? Non, pas encore. Je ferai un globi épique dessus, ne vous inquiétez pas. Non, pas d'ananas, ni pizza crevette. Tentacle Blue a perdu. Non, vous n'avez simplement pas gagné, encore. Un jour, vous gagnerez. Tu vois le nombre de viewers qui s'éclatent par terre littéralement. Mais c'est normal, c'est la fin de live, à chaque fin de live. Et encore plus quand les gens viennent pour juste un concours. Mais c'est normal. C'est quoi cette histoire de Clay Bannerlord? C'est rien, je ne sais pas de quoi vous parlez. L'âge de l'eau, la suite de l'âge du feu dans Dark Souls, c'est la suite du canon de l'univers du jeu, et la version d'Aldrich dans Dark Souls 3 par exemple. D'accord, bah, peut-être, je ne sais pas.
En tout cas, ils ont dit qu'ils ne feraient pas de Dark Souls. Enfin, en tout cas, le réal principal a dit qu'ils ne feraient pas d'autres Dark Souls pour le moment. Donc, si ça veut dire un autre Dark Souls 2, ça sera sans moi. Et on peut gagner des clés ? Ben, pas là. Est-ce que Pokémon te hype ? Absolument pas. J'en ai juste rien à foutre. En vrai. Je suis pas du tout hypé. Je verrai quand il sort, on verra les notes qu'il se prend, et puis voilà. La seule fois où il a gagné, c'était pour un jeu multi, mais j'ai pas d'amis. Alors, t'as trouvé comment mon animation 3D, MC ? Toi, dans spoiler. Je sais pas de quoi tu parles, PC Dardox. Comptes-tu continuer son aventure sur Pokémon Platine ? Pyrotium, c'est trop tard, hein. C'est fini maintenant. Et, sauf si tu veux t'inscrire pour la bêta de Gwent, je ne sais pas où c'est. Tu peux taper Gwent, bêta, inscription. Et peut-être attendre. Maxime, tu vas prendre le jeu d'horreur à Arkham JCE qui sort début novembre chez Edge. Non. Je n'ai pas d'argent pour ça. D'accord. Bah, s'il est dessus, Svartman, avec grand plaisir. S'il n'est pas dessus, j'émets de grandes réserves. Parce que c'est lui qui sait gérer ce qu'il faut dans la découverte, dans l'exploration, dans le gameplay. Et le 2 était vraiment un échec pour moi. Attention, ce n'est pas un mauvais jeu. C'était juste un échec, selon moi. Bon, et bien c'est bon. Tout le monde a sa clé. Non. Concrètement, il va y avoir une suite. J'ai déjà lu. Go tester Paladin. Paladin est gratuit, apparemment. Possible. Voilà, le lien est ici. Donc c'est playgwent.com/fr. Je vous mets le lien dans le chat. Boop, boop. Cliquez là-dessus et vous aurez directement l'accès pour vous inscrire à la bêta. Et il y a plusieurs moments où ils enverront des clés, donc c'est le moment. Donc voilà, et n'oubliez pas ceux qui ont la bêta que vous pouvez avoir The Witcher 1 gratuit. D'ailleurs, eh bien je vais le faire gagner maintenant, que vous avez été gentil. Tous ceux qui restent, vous avez une occasion de gagner. Donc, quelle sera la question ? Quel est le rang de Maskim sur Gwent ? The Witcher 1. Premier mondial. Vice-champion du monde. Jean-Michel Apathy. Donc, ceux qui ont suivi le live le savent. Hein. C'est parti. Allez, c'est suiveur uniquement. C'est vicieux, hein, parce qu'on l'a dit qu'une fois. Je crois. Ouais. Attention. On l'a dit une fois. Attention, j'ai effectivement dit être premier mondial, mais rappelez-vous du live. Hein. Je n'ai pas eu que des victoires. Je suis peut-être devenu Jean-Michel Apathy, on ne sait pas. First Jean-Michel Apathy mondial. Tout à fait, monsieur. C'est même Castor qui l'a dit. Ah ouais ? Oh merde ! Alors je crois que j'ai bon. Au presque tout début. Alors absolument pas. C'était en plein milieu du live. Ouais, c'était même à la fin plutôt. Ouais. J'espère que j'ai faux. Eh bien, j'arrête maintenant. Et donc, j'étais bien vice-champion du monde. Car j'étais champion du monde, mais comme j'ai eu des défaites, eh bien, je suis maintenant seulement vice-champion du monde. Mais c'est Fafouin Madog qui gagne The Witcher 1. Est-ce que tu le veux ? Parce que c'est pareil, hein, si vous l'avez déjà, je vous l'envoie pas. Mais non, si tu le veux, je te l'envoie. Mais sinon, je l'offrirai à quelqu'un qui le veut. Donc confirme-moi s'il te plaît sur le chat. Par contre, je ne vois pas où il est. Attendez. C'est pas Games Planet, non, c'est ça. Hop. Au pire, si tu renvoies le mail à quelqu'un d'autre, c'est juste que... Eh ben, c'est très bien. Hop. Voilà. Oh, Nico08 qui dit « Mais bravo. Pour nous, tu es toujours le premier. » Je sais, je sais. Mais pour moi aussi. Hein.
Vous êtes toujours pensé que les premiers, c'est moi. Il va le vendre sur Kinguin comme une fafouine. Franchement, il vaut pas grand-chose maintenant. Mais ça reste toujours cool. Et vous l'aurez sur GOG, hein, je précise. Par contre, c'est la version... Enfin, tu l'auras. Fafouin sur GOG. The Witcher 1 est vraiment super long. J'ai tout fait pour le rush. J'ai mis 35 heures. Il est très long. Mais bon, c'est devenu un classique du jeu vidéo maintenant. Le mieux, c'est lorsque tu es aux deux tiers du jeu et que la sauvegarde est corrompue. Ouais. Ouais. Ça arrive. Et du coup, eh bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Peut-être que dans la nuit, il y aura un live sur Dark Souls 3. C'est possible. Oh. Comme hier. Parce que j'ai envie d'y jouer. Mais en attendant, je dois bosser. Donc, je ne peux pas vous dire à quelle heure. Je n'en sais rien. Ça sera un live surprise. En tout cas, si vous voulez dormir, dormez. Ne m'attendez pas. Mais bon, je vous en voudrais si vous êtes là. Voilà, c'est tout ce que je dis. Le mec, il va même pas faire de live. Je me sens responsable et coupable. C'est ça. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Et puis, bah, peut-être à tout à l'heure si je fais un live. J'en ferai certainement un, même s'il dure qu'une heure. Voilà. Bisous, bisous, bisous partout. Encore merci à vous tous d'être passés. Merci à CD Projekt Red. Putain de merde, je vais y arriver. Merci à Samus Cosplay. Et ben n'hésitez pas à vous abonner à la bêta. Tiens, conseil, prochaine mage de ta vita, enlever la carte mémoire. Quoi? Tendance à briquer les cartes mémoire. Oh shit, tu fais peur, Tentacle Blue. Tu m'as fait trop peur. Sur ce, à plus, Castor, peut-être à cette nuit. Au revoir, mais sans doute à cette nuit. Et ben, sauf si tu le fais à 5h du matin. Oui, mais... évidemment. Je ne sais pas, merde. Je ne sais vraiment pas à quelle heure je le ferai, donc je sais pas. J'espère le faire avant quand même. C'est du boulot, moi mais aussi. On verra. Je dois terminer une vidéo pour Games Planet. Donc, voilà. Oh, et j'espère que pendant ce live, on verra Pizza aux crevettes parce que son pseudo est trop bien. Pizza aux crevettes, reviens, on t'aime. Montre-nous ta croûte. Montre-nous ta crème. J'ai une 16, Tentacle Blue, mais ça me ferait chier de perdre des sourires surtout. A plus, bisous bisous. Le machin du placard, tu as un beau pseudo. Et je ferai un live cette nuit, je vous l'assure, je le promets. Sauf s'il y a un problème internet. Mais s'il y a un problème internet, je ferai un live sur mon téléphone à la con. Voilà. À tout à l'heure. Bisous 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 partout. A plus, Castor. Au revoir. Et faites attention aux gens qui essaient de vous faire croire que je ne suis pas vice-champion du monde, c'est des menteurs. Je vous jure que je suis vice-champion du monde, putain. Je vous jure. Non mais en vrai, je vous ai menti, voilà, je dois le confesser, je suis pas vraiment vice-champion du monde. Je reste champion du monde en fait, puisque j'ai regagné deux matchs après, donc je serai champion du monde. Voilà, tout va bien, ne vous inquiétez pas.